vient d'arriver à Bear Performance Luxembourg. Je suis avec mon ami Kurt. Il est là. Kurt S5 parce qu'il est stage 5. En tout cas, on va rencontrer Manon et Georges. Il y a plein de pépites à vous faire découvrir. On va passer une journée formidable. Et c'est à Bear Performance Luxembourg. Restez bien accrochés, cette vidéo elle va être incroyable. On est à Bear Performance Luxembourg avec Georges Jorge, Justin qui est là et Manon. Manon c'est la pilote. Manon, vous allez voir, c'est une folle, c'est une dingue. En tout cas, au niveau technique, il maîtrise. Moi je vais vous laisser présenter vos petits véhicules. On a quelques pépites aujourd'hui. C'est maintenant Bear Performance Luxembourg. La RS3 bleue de Manon, elle est là juste derrière nous, un monstre. Georges, tu nous la présentes un petit peu? Ouais, tout à fait. Quelle année? 2020? 2020. Ah, 2020 donc. Donc un moteur déjà avec l'OPF, l'OPF, le fameux DMWA, et qui est en stage de plus. Elle est juste incroyable. Hein. Elle est aux couleurs de BR en plus, hein. Ah, celle-là, elle est pas mal. Hein. Ça fait exprès parce que si tu regardes bien, bleu sur la RS3, gris sur la Cupra. Ah, d'accord. Ok, c'est bien fait ça. Bon, j'aime beaucoup. ADX Club Sport, je valide. Après le bleu, le gris de BR Performance. Tout à fait. Ce véhicule, présente-moi-le. Seat. Seat Cupra, stage 4. Stage 4. Cette voiture a été présentée dans notre chaîne auparavant. Regardez, le lien va s'afficher tout de suite. Ça filme là. Écoutez, wow. Ducati Panigale V4S 2020, ce qu'on dit au Luxembourg c'est 20. Je peux pas, il faut que je fasse quelque chose avec ça, c'est pas possible. 214 chevaux d'origine. Oui. Stage de plus. Oui. Waouh. Mais déjà que à l'origine c'est une bête, mais là ça doit être, wow, c'est quelque chose. Bon, vous sentez l'Italie? Là ça se voit que vous pouvez aller boire le café expresso, tu vois, c'est rapide. De toute beauté, c'est la tienne? C'est la mienne. Waouh, d'accord. Tu m'expliques un peu ce qui a été fait sur la moto? Alors, quand je l'ai acheté full équipé directement avec Akrapovic complet. D'accord. Elles sont en version 214 sans Akrapovic. Sans Akrapovic. 226 avec Akrapovic. Avec le pot d'échappement. Avec le pot d'échappement. Akrapovic. Avec une carto Akrapovic. Ensuite, il y a eu pas mal de choses qui ont été modifiées au niveau admission, système d'admission avec un gros filtre bien spécifique racing, avec une carto bien plus poussée qu'on a développée et une pique maclée. Voilà, je sais qu'il va signer le chèque après. Non, non. Et donc, actuellement, elle sort bien plus que 230 chevaux. Waouh. Je vais plutôt dire 235 chevaux. 235 chevaux. Alors, je ne sais pas si vous imaginez, dans les motos, par rapport au rapport poids-puissance, déjà 10 chevaux, on les sent réellement, d'accord? Mais là, on parle de plus de 20 chevaux. Oui. C'est énormissime. En relation à la version classique, oui, 20 chevaux, parce qu'il y a beaucoup de brides sur ces Euro 5. Oui. Et là, en débridant tout ça, on a... Alors écoute, à... moi je pense que là, les ingénieurs, ils ont fait fort. Ouais. Ah, ils travaillent sur les motos, c'est un truc de fou. Ouais. Déjà que c'est pointu, alors là, c'est même pas la peine. Moi, je te propose, on ramène la GT4, petite description. Ouais. Et on va faire quelque chose qui n'a jamais été fait sur la chaîne de BR Performance. Ça, c'est une surprise. À de suite. Porsche Cayman 718 GT4, 4 litres, 420 chevaux, atmosphérique, 4 secondes 4, 0, 100, 1495 kg. C'est quelque chose. Hein.
Ça, c'est une arme. C'est une arme. Et un stage 2 BR Performance, c'est une arme de destruction massive. Et il y a un stage de BR Performance, les ingénieurs, ils sont énervés sur ça. Ça, on va même pas en parler. Moi, ce que je te propose, on va sur Autobahn. On va voir, que et on va voir ce que ça donne. Et tu sais quoi? On va prendre la Panigale. Tu prends la Panigale, je prends la Porsche, parce que Porsche, c'est ma cam, et on y va. On va pas commencer à parler chinois. C'est maintenant, et c'est BR Performance Luxembourg. Plus de puissance, plus de plaisir. Et là, maintenant, c'est la pleine puissance. On y va. C'est parti! Macam GT4, je vous attends tous au circuit, stage de BR Performance. Là, c'est parti, la Panigale elle est devant avec Georges, je suis dans le GT4, dans le Golf 8 R BR Performance, il y a toute l'équipe BR Performance, c'est parti pour l'autobahn, ça va faire mal. Je trouve que la GT4 là, avec le stage 2 BR Performance, je retrouve une voiture un peu plus pleine. J'ai l'habitude des GT4, des GT3, GT3 RS, même GT2 RS. Là, comme c'est un moteur Atmo, je trouve que la voiture est beaucoup plus vive et en fait on arrive mieux à la placer. C'est ce petit 20 chevaux qui fait la différence. Mais réellement, on le sent quand on conduit un petit peu dans les circuits et qu'on a un peu l'habitude de conduire ce genre de véhicule. C'est vraiment, vraiment important ces petits 20 chevaux. C'est des petits qui sont importants, surtout pour la glisse. Un conseil très important, l'équilibre de la conduite est très important, c'est le volant qui est le plus important. D'où la nécessité d'avoir deux montres. Golf 8 R. Golf 8 R, stage 3. On doit faire 520 chevaux, pas plus hein, maintenant. Elle est à 603. Légalement de rouler à plus de 2,50. Je crois qu'on a fait 2,73 ou un truc comme ça. Ouais. Il y a des voitures devant, donc on joue la sécurité. Mais en tout cas, voilà, c'est vraiment bien comme voiture.
et on doit refreiner, limitation de vitesse. C'était sympa. Je t'avais dit que la Golf 8 marcherait mieux que la GT4. J'avoue. Bon, après, il y a plus de chevaux dans la Golf 8 R. La boîte PDK est meilleure quand même que sur celle-là. Par contre, la carte aux boîtes, c'est important. Et généralement, les gens font des prépas, mais ne font pas la carte aux boîtes. Alors que c'est vraiment la carte aux boîtes de vitesse. C'est vraiment une alchimie avec le groupe motopropulseur. C'est très important. Et BR Performance propose des cartographies de boîtes de vitesse. Donc, du coup, il faut le faire. Autobahn, Autobahn, le speed limit, tu ne connais pas. On est en Allemagne et on vous dit à très bientôt. Merci Georges. Avec grand plaisir. Hein, on va se faire le retour à fond. Ah ouais. À fondo. Et n'oubliez pas de liker, commenter, la petite cloche de notification. Ding ding ding. Et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles aventures. Luxembourg, on reviendra. Ciao ciao.